ça joue toujours en session de jour. Donc les organisateurs ont pris une décision, une vraie décision, aux avantages. Et c'est quand même très très rare. Hein. Je crois que, en tout cas, pour ma part, après 10 US Open, je n'ai jamais vu ça, de voir un match de session de nuit déplacé du central au Armstrong. C'est bien sûr les spectateurs de la session de nuit qui ont malade, qui souffraient pratiquement de tous les endroits du corps et qui a perdu en plus de 3 heures de jeu. 7-6, 0-6, 6-4 face à la très accrocheuse et redoutable autrichienne. Joueuse sous-estimée mais qu'on ne bat jamais par hasard. Djokovic aborde quand même ce match avec pas mal de références. Enfin, elle break à sa 6e occasion dans ce jeu. Surtout que c'est pas une sinécure déjà quand on est à 100% physiquement d'affronter Djokovic. Babur en sait quelque chose, hein, battu 6 fois sur 7. Elle compense avec un mental en titane en ce moment. Elle sort, elle revient de nulle part. Même en même temps, c'est encore un autre niveau là. Hein. C'est sûr. Et puis il y a la pression d'événement, c'est un quart de finale. Le premier de sa vie, hein, en Grand Chelem, on le rappelle. En tout cas, entre 100 et 200 mondiales. Et on l'a dit, elle a découvert l'ambition et les grands résultats, vraiment sur le tard. À 25 ans révolus. Il faut éviter que Bammer installe. Oui, c'est parfait. Magnifique, cette fois c'est à la première occasion qu'elle s'empare une troisième fois du service de Bammer dans ce premier set après 23 minutes. Il y a des choses qui sont... Oui, c'est la première année où il y a vraiment beaucoup beaucoup d'imprécisions. Ça bug. Oui, elle est dans le rythme, Jankovic, elle est vraiment dans le rythme. Difficilement plus dur, hein. on fait difficilement plus heurté que le parcours de Djokovic dans cette US Open, très laborieux. Elle aurait pu céder, hein, ou baisser les bras avant. Hormis son premier tour contre la désormais célèbre Coco Vandeweghe. Je crois que c'est un match que vous aviez commenté. Qui non, était... c'est pas moi. Non, on n'a pas fait celui-là. Mais c'était un match vraiment terrible. Jie Zheng aussi, 7-5, 7-5, donc 2-7, mais ouais. en 2h10. Là, la balle est nettement à l'intérieur. Voilà, deux fautes en longueur. Ouais. La Serbe a la patience qu'il faut pour... Malentendu entre les deux ramasseurs. Ah oui. C'est fait, impeccable Djokovic hein. Dans ce premier set, très tranquille en effet, 6-1, cette survolée en 33 minutes par la numéro 2 mondiale. Il faut pas reculer si lui est le Bammer. Là, il s'en sort, hein. Là, c'est quand même tout le tour du terrain pour finir conclure au filet. Thank you.
Voilà la réaction de Sybille Damer qui convertit sa deuxième occasion pour mener au score et faire la course en tête, pourquoi pas, dans cette deuxième manche. Oh, c'était si bien servi, et là, se fasse d'illusion. Eh ben, c'est moi qui me suis trompé, l'arbitre aussi. Ça touchette. Oui, ça s'est tenu avec de la maîtrise, de la longueur qui s'est appliquée à jouer très très long. Oui, encore le filet. Bien servi. Le slice de la gauchère. On n'a pas renié une petite Schneider, par exemple. C'est déjà la moitié du temps du premier set, c'est pas mal. Oui. Avec l'aide du filet. Ouh, c'est bien joué. Oh, superbe. Ah oui, quelle face à face. Elle pourrait s'excuser toutes les deux, hein, parce que toutes les deux ont eu de la réussite avec la bande. Deuxième, c'est second service. Bravo, Sarah. Il n'y a pas de troisième. Bravo. Ah, là, ça y est. Il n'y aura pas de deuxième chance pour Damer. Cinquième occasion, enfin convertie par Jankovic, qui revient partout. Ça peut toucher. Ah, il joue un petit peu en surchauffe. Hein, Damer obligé de prendre des risques. De viser les lignes. Elle garde le contrôle du match, elle ne force pas trop, hein. Il est vraiment... Le match, messieurs, qui était prévu en session de nuit. Qui oppose Rodic à Gonzalez. Ah oui, un peu téléphoné et mal exécuté, surtout cet amorti de Damer. Surtout face à une joueuse comme Jankovic. Oui. Elle est bien sortie. On est passé par en dessous. Elle rigole franchement. Peut-être victoire que Jankovic, même si elle ne le fera pas, pourra, dans notre esprit, partager avec Mario Bartoli. Elles se sont mises à deux pour battre Damer. Le problème, c'est que c'est Jankovic qui coupe le poil. Un réalisme presque total. Et encore une de sauver. Ah non, il fait plus une faute qui coûte un troisième break dans ce match à Jankovic. Ah non, là, il a complètement craqué, Damer. De la raquette,
Jankovic qui lobe, c'est parfait sur la ligne de fond. Que c'est dur ça, encaissé pour Bammer qui tente vraiment tout ce qu'elle peut. Énorme qualité de concentration, de déplacement et toujours cette lucidité tactique pour choisir le bon coup comme ce lobe. Juste avant la ligne même, et Bammer archi battu. Voilà cette chaussure, une socket mal assortie. Et ce qui est sûr, c'est que dans sa partie de tableau, on attendait beaucoup plus une Zvonareva, une Bartoli ou une Davenport en quart face à Jankovic. Elle a créé la surprise. Mais pas ce soir. Ah oui, Haïdé. Oui, les arbitres n'avaient pas encore trouvé la vitesse de croisière. Ils avaient tendance à faire un peu les robots, à donner juste le score ou à dire aux joueuses « Non, non, j'ai pas d'avis, est-ce que vous voulez la vidéo ou pas ?» Jankovic ne pouvait pas satisfaire d'une réponse pareille. Et elle avait derrière complètement craqué face à Justine Hénin alors qu'elle menait un 7 un break. Ah oui, magnifique. Le champ du cygne. Ah oui, et puis toujours ce revers très tranchant, croisé, qui a fait un mal fou à Marion Bartoli au tour précédent. Sur l'amorti sans problème. Oh, oh là là, mais quelle défense de Jankovic. Et un point énorme. Elle l'a fait un peu sur le mode nonchalant, hein, la fin après l'amorti. Elle annonce le score parce que 30-40. Je crois que Bammer s'est trompé de côté. Et... on n'a pas entendu. Alors, c'est bien de rire, mais là je crois qu'elle s'est un petit peu déconcentrée, Jankovic, malheureusement. Kafelnikov dans le passé ou Davidenko aujourd'hui. Oui, ou McEnroe, non, à l'époque. Il faisait ça aussi. Il utilisait le double et le double mix pour travailler. Et loin s'en faut, si mauvais que celui d'une Dementieva il y a 4 ou 5 ah ans. Ah oui, non, non. Mais qui lui empêche quand même de gagner beaucoup de points gratuits, qui n'est pas une rampe de lancement idéale pour elle et qui lui coûte pas mal de fatigue en plus. Oui, elle a demandé la vidéo, ça se vérifie ça. Je pense qu'elle a touché la ligne, enfin, je la vois bien toucher la ligne. Mais non. Ça touche bien, c'est pleine ligne. Pleine ligne, oui. 15 à. C'est vraiment parfait. Ouh, terminé sur une double faute, ouais, c'est un peu. C'est vraiment dommage. Dur, ouais. Surtout que ce n'est que la deuxième de Bammer. Là, on peut dire la seconde de Bammer aujourd'hui. Poignée de main qui n'est pas très chaleureuse. Pourtant, Jankovic est comme toujours très avenante. Mais Bammer n'est pas non plus la plus prime sautière des joueuses. Et elle quitte le tournoi, certainement quand même déçue de sa prestation aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'elle pouvait faire beaucoup plus. Déçue simplement de ne pas avoir eu les jambes, hein, qui est une professionnelle émérite d'ordinaire, toujours à la pointe de la préparation physique. Là, déjà, quand en normal, à armes égales, disons, sur le plan physique, elle est dominée.
Ça faisait 6 victoires pour Jankovic contre une seule pour Mamer. Alors dans ces conditions-là, Sarah, quand on connaît l'habitude qu'a Jankovic maintenant d'aller loin dans les tournois du Grand Chelem, et la grande première qui était ce quart pour Mamer, il est tout à fait logique qu'à l'arrivée, il n'y ait eu aucun miracle pour l'Autrichienne et que Jankovic soit presque dans un fauteuil en demi-finale, même si on a vu, Sarah, que ça a été quand même plus difficile dans le deuxième set. Exactement, mais c'est vrai qu'avec le niveau qu'elle a aujourd'hui, Jankovic, elle peut, contre Sibylle Mamer, se permettre d'avoir une petite baisse de régime sans que ça lui porte préjudice.